Sell Branding, c'est une stratégie de communication qu'il s'agirait bien évidemment de mettre en place afin de te permettre de te faire reconnaître par l'entreprise. Maintenant, il y a 3 étapes à suivre pour pouvoir bien évidemment mettre en place la stratégie de communication. Donc, la première étape, c'est le soi, toi, qui tu es. Donc, il s'agit pour toi de te connaître déjà, quelle est ton identité. Ça veut dire, quelles sont tes compétences, quels sont tes points forts, quels sont tes points faibles, quelles sont tes limites, quel est ton potentiel, et puis, quelles sont tes valeurs personnelles. Et en même temps, éventuellement, en fait, quelle est ta mission, qu'est-ce que tu es bon à faire, qu'est-ce que tu sais faire mieux que les autres et différemment des autres. Finir ses études, c'est bien, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. La nouvelle aventure, c'est trouver l'entreprise dans laquelle vous allez vous épanouir. D'abord, la trouver qu'elle vous recrute. Ça, c'est aussi un autre pas. Et ensuite, une fois que vous l'avez décroché, c'est de vous intégrer et de faire la différence. Mais avant, moi, j'ai envie de vous parler en dérouleur. Et on va revenir à la phase de trouver l'entreprise. Pour trouver l'entreprise, il y a énormément de choses. Hayla Gouti Kane, une autoroute. Deux voies, ou les kinkin malayin de tonobelet. Comment votre voiture va emprunter cette autoroute? C'est ça la clé de réussite. 1. Soyez unique. 2. C'est simple, il faut absolument vous démarquer par rapport aux autres. Filbesk, l'hakadjel, l'oukfadjel, filbisadjel, la manière avec laquelle tu vas gérer l'entretien. Autre chose, ta première carte visite, il y a ton CV. M'chi, je m'entoure, je demande conseil, je chauffe sur le net, des dieux benchmark, je chauffe ahsen CV likaïn et qui va dire un peu plus sur moi, mes compétences, mes qualités, etc.